phenomena you are about to witness could well revolutionize your way of thinking. We are presenting startling facts and evidence that take up where other explanations leave off. Some of these revelations may very well go against things you have been taught and perhaps believed all your life. Prepare yourself for the evidence which will follow. Ça y est, on est enfin de retour pour ce deuxième épisode de la Story Rancide. Bonjour Jérémy, bonjour Scal. Bonjour Gaël, comment vas-tu ce 31 décembre 2015, c'est le dernier jour de l'année cette année. Oh là là, la race qu'on va se mettre ce soir. Bonjour à tous, ici Scal. Dans quelques heures, eh ben, on fera tous bonne année. Et on espère que cette année elle sera remplie de musique rancidienne. Non, peut-être pas non plus. Voilà, bon, vous avez déjà fait le bon choix, parce que si vous écoutez cette émission en direct, c'est que vous avez du goût. Et bah, on espère que vous êtes tous à l'apéro et que bah, nous, en tout cas, on l'est. On l'est. Donc, bienvenue dans ce deuxième épisode de la Story Rancide. Oui, qui sera pas le dernier d'ailleurs. Parce qu'à la base, on avait prévu de le faire sur deux épisodes de deux heures. Et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de choses à dire. Il y aura peut-être 4 voire 5 épisodes. Voilà, parce que là, on va débuter en 97, mais on va pas aller très très loin dans les années. Il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à suivre. Ça va être cool. Ouais. Donc, dans le premier épisode que vous avez pu suivre la semaine dernière, vous aviez pu retrouver un peu l'histoire des débuts. Donc de 1987 jusqu'à 1997, on avait terminé avec un morceau live. C'était une reprise de Jimmy Cliff qui avait été enregistrée lors du concert Tibetan Freedom à New York. On va continuer dans cette année, Scal. Je sais pas ce que t'en dis. Si, bien sûr, avec plaisir. Juste deux petites précisions par rapport au premier Erratum. Voilà, le moment Erratum. Ils sont plantés, quoi. Ouais, je me suis planté. En fait, j'avais dit qu'il y avait une chanson sur le fameux lieu Gilman Street. Donc Gilman Street. T'as pas très bien réécouté. Le 924. Et en fait, j'avais dit que c'était une chanson de Slapstick. Erratum, c'est une chanson de Mr. T Experience qui était sortie sur Lockout Records en 89. C'est pas très très loin non plus, quoi. C'est pas très loin. La seule chose, c'est que Slapstick, c'est quand même un groupe qui vient de Chicago. Donc, C'est un peu loin en miles. C'est ça, exactement. La deuxième, c'est que j'avais parlé donc de la première version de Radio avec cette fameuse verse qui différait de la version Radio de l'album. Tu te rappelais plus du numéro, enfin du morceau duquel c'était extrait. Voilà, et en fait, ça vient donc d'un break dans l'album Rancid de 93, l'album éponyme, de la chanson Rats in the Always, que vous pouvez écouter à partir de la minute 41. Voilà. Wow, minute 41. Exact. Parce que ils font des longs albums. Minute 41 de la chanson. Hein. 41 secondes alors. 41 secondes, c'est ça. Bah, on va faire un erratum la semaine prochaine. Non, une minute 41 secondes, c'est bon. Bah voilà, donc on retourne, on continue cette story avec l'année 97. L'année 97 qui n'aura pas été une super grosse année pour l'équipe Rancid, puisque hormis ce live de Jimmy Cliff qu'on a pu écouter la semaine dernière, il n'y a qu'un seul morceau qui a été enregistré, enfin tout du moins diffusé cette année-là, pour fêter la création d'un label, Scal. Ouais, le fameux label Hellcat Records. Hellcat Records, ouais. Donc label de Los Angeles, qui est une subdivision du label Epitaph, monté donc par Brett Gurewitz de Bad Religion. Hellcat Records, voilà. Brett, il s'est dit, il a dit à Tim, je te dirais pas qu'on fasse un truc ensemble avec tes groupes, tes sonorités. Est-ce que c'est Brett ou est-ce que c'est Tim qui a proposé? Je sais pas. La question. On va leur envoyer un texto. Ouais. J'espère qu'ils répondront d'ici les deux heures, quoi. Avec plaisir. Mais sinon, voilà, le petit principe d'Hellcat Records, voilà. C'est un décalage horaire. Comme je disais, subdivision d'Epitaph, mais le truc, c'est que voilà, les 10 sortent sur les deux labels en général. Et pour Hellcat Records, alors c'est quoi cette particularité? C'est, Epitaph, c'est ceux qui s'occupent de la distribution en Europe, je crois, sur Hellcat. Et Hellcat, donc, qui s'occupe de la sortie aux États-Unis. Ouais. Et la petite particularité de ce label, c'est que Tim Armstrong est le seul à avoir le dernier mot. Ouais. Ça donc, se sent d'ailleurs sur les groupes qui sont enregistrés et qui sont signés sur Hellcat Records. Hein. Bah, tu parles des groupes qui ont signé sur Hellcat Records. En cette première année, il me semble qu'il y a déjà du bon nom. Enfin, tout du moins maintenant, en 2015, ces groupes ont fortement
fortement grandi. Il s'agit de... Ouais, il y a des gros noms, hein, vous allez les reconnaître. Donc Dropkick Murphys, oh. Les Distillers, Choking Victim aussi, Joe Strummer and the Mescaleros. Joe Strummer des Clash. Ouais. Du Clash. Les Unseen, que moi j'adore. Très très bon. Street Dogs et pas mal d'autres en fait. Aussi, quoi. Donc, c'est du glou. Hein. Impossible de tout lister parce que voilà quoi, il y a... Je sais pas, genre une quarantaine ou une cinquantaine de groupes signés sur ce label, et c'était difficile de faire un choix. Ouais. Dire, ah merde, on va pas citer un tel. Et voilà. Et à côté d'L4 Records, il crée aussi une autre petite société qui s'appelle Machette Manufacturing, qui s'occupe de distribuer donc le merchandising du groupe Rancid et de tous les groupes L4 Records. Ouais. Donc on parlait de tous les groupes qui ont signé sur ce label-là, ouais, mais en cette première année, il n'y avait pas les Dropkick, il n'y avait pas les Distillers, mais il y avait... Si, il y avait les Dropkick, je crois. Ah oui, il y avait les Dropkick, c'est vrai. Il a fait les Slackers, il a fait les US Bombs. Ouais, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, ouais, je crois. Ouais, exact. Il a fait les Pietasters aussi, il a fait Epcat, donc c'est quand même très influencé Ska, hein, quand même, ce qu'il fait. Les Dropkick Murphys aussi, et les Gadgets. Ok. Et ben cette année, il y avait aussi le disque de Union 13 en français. Ouais, hein. Union 13. Qui l'a coproduit avec Lars. C'est ça, avec Lars Frederiksen, parce que Lars Frederiksen lui aussi produit des disques. Ouais. Parce que bah voilà, quand ils font pas des concerts ou qu'ils enregistrent pas avec leur groupe, eh ben ils font profiter les copains en sortant leur production. Et quand Lars il fait pas des coprods avec Tim, il fait aussi des productions lui en solo, et il produira donc seul de son côté un disque de The Forgotten. Je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, mais voilà quoi, le premier disque qui s'appelle Class Separation. Il sortira aussi The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth. Voilà, donc là il va jusqu'en Angleterre pour aller ouais. Voir ce qui se passe par là-bas. Ça ressemble plus à ce que Lars y kiffe, hein, d'ailleurs, au niveau de la zik, hein. C'est vrai, ouais. Tout ce qui est un peu street punk, ouais. Oi, crâne rasé, tout ça, Lars il aime bien. Et il sortira aussi donc le LP de Dropkick Murphys qui sortira sur L4 Records, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, le Do or Die. Et puis un petit EP et un album de Powerhouse. Ça, je ne connais pas non plus. Ça me dit rien non plus. Voilà, et ben voilà, quand ils sortent pas de disques, ils font pas de concerts, ils vont faire aussi des petites apparitions. Ouais, des petits backings, comme on appelle ça dans le milieu. Des petits backing vocals sur l'album d'un groupe qui s'appelle Stubborn All Stars. Donc c'est un groupe L4 Records, hein, parce que c'est vraiment une histoire de famille. En même temps, c'est le début d'L4 Records, faut qu'ils s'y mettent à fond, quoi. Et oui, faire les bacs pendant les enregistrements. Ils s'investissent, ouais, t'as raison. Et sur extrait de cet album là, donc des Stubborn All Stars, il y a un morceau qui figurera sur cette fameuse compilation Give 'Em the Boot, qui retrace donc énorme compil, super compil, l'intégralité des groupes présents dans la famille L4 Records dans cette année 1997. Il y avait déjà 20 groupes déjà. Voilà. Une année 20 groupes. Ça va, ça énorme. Va très très vite avec les Rancid. Dessus on peut retrouver aussi un inédit de Rancid qui s'appelle The Brothels, je prononce bien, c'est pas les bretelles, hein, c'est pas les bretelles, The Brothels, c'est hôtel mais avec un BR devant, ça veut dire les maisons closes, Scal. Ouais. Est-ce que tu crois que les Rancid allaient souvent je sais pas. Fréquenter les Brothels? On va leur envoyer un texto. On va leur demander, ouais. C'est un mélange entre Brother et hôtel, tu crois? Ah, peut-être bien. Ah, maybe. Il y aura aussi un morceau de The Silencers, on vous parlera de ce groupe d'ici quelques minutes, ouais. Mais retenez bien ce nom-là. Et Union 13 qui reprennent le Roots Radicals, le morceau, le fameux morceau de l'album And Out Come the Wolves. Voilà. Donc ben, moi je vous propose d'écouter le morceau inédit qui se trouve sur cette compilation et qui ouvre cette compilation. Donc The Brothels, tout de suite, Rancid sur le 106,6 sur la Kicking Radio. Et en ce 31 décembre, tout de suite, Rancid. Well, I know the brothels, well, I understand.
Et voilà, c'était les Maisons Closes de Rancid sur les ondes de Radio Campus. Extrait de la compilation Give Em The Boot que vous pouvez retrouver vraiment à un prix ridicule sur les internets ou alors même dans les magasins d'occasion. Oui, moi j'ai trouvé à 2 euros. Quel nous disait qu'il achetait ça chez Cash Converters. Et donc, les compilations Give Em The Boot coûtent vraiment pas cher, sauf les toutes dernières parce qu'elles ont été simplement éditées pour la promotion. D'accord. Voilà, mais bon, là on est en 97, année assez pauvre en son rancidien, mais assez épaisse en production pour la scène californienne. Oui, et puis surtout ce qu'il faut dire, c'est que 97 c'est peut-être un peu pauvre, mais ils étaient sûrement en train de préparer quelque chose d'assez fat. Quoi ça ? Eh ben, par exemple, un album qui va s'appeler Life Won't Wait et qui absolument énorme et une référence. Un long album en plus de ça. Un long album qui aurait pu être. Deux fois plus long, je le crois. Qui aurait pu être deux fois plus long, ouais. On va en parler après. Donc, oui, enregistré courant l'année 97 et en 98, Rancid va s'entourer d'un nouveau Zikos. En l'occurrence, c'est Vic Ruggiero du groupe des Slackers, donc qui fait du clavier dans cet album. C'est le quatrième album du groupe, sorti trois ans quand même après An Outcome The Walls. Ouais, enfin, faut dire que les tournées An Outcome The Walls ont duré énormément de temps. Et ils nous avaient habitués à soit enchaîner des groupes tous les trois mois, soit sortir un scud tous les ans. Tous les ans, ouais. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Donc là, l'attente était longue. Et quelle surprise à l'écoute de ce disque Scal. Ah oui, oui. On verra que cet album, il différera beaucoup des précédents. Il sera fortement marqué par les différentes villes où ils l'ont enregistré. Ouais, à savoir qu'avant, ils enregistraient simplement à San Francisco ou à Los Angeles, toujours dans le même studio. Là, la particularité de cet album, c'est qu'ils ont voyagé. Exactement, ouais. On va ressortir des fortes influences reggae, mais aussi jazz et ska, parce qu'ils ont enregistré, donc, comme disait Gaël, à San Francisco, au Blood Clot Studio, studio de Tim Armstrong, à New York, à la Nouvelle-Orléans, mais aussi en Jamaïque. D'accord. On sentira beaucoup l'influence. Donc, les petites influences jazzy du côté de la Nouvelle-Orléans et reggae pour la Jamaïque. Ouais, exact. Et alors, la particularité de cet album, c'est que, comme on dit, ils l'ont bossé comme des fous furieux. Et ils ont vraiment bossé comme des bâtards parce qu'il y a eu 50 chansons d'enregistrées. Ouais, 50 chansons d'enregistrées pour 22 retenues, ce qui est la moyenne pour l'instant des albums de Rancid, 22 compos. Donc on se dit qu'il y a quand même plus d'un album entier aussi qui a été travaillé, enfin enregistré en pré-prod. Qui a été enregistré, qui n'a jamais été sorti, quoi. Exactement, enfin qui a été enregistré en pré-production, comme on appelle ça, quoi, quasiment dans les conditions du live, et mais qui n'a jamais été enregistré en version studio, en effet, ouais. Et sur cet album, ils ont pris du temps pour l'enregistrer, mais il fallait pouvoir réunir tous les membres qui vont y participer quand même, parce qu'il me semble qu'il y a des gars qui viennent des groupes comme The Specials, donc des groupes anglais, de Green Day, des Mighty Mighty Bostons, de Buju Banton, donc là à mon avis c'est quand ils ont été enregistrés en Jamaïque, Mikey Ramone quand ils sont allés à New York, et Roger Miret, c'est le gars d'Agnostic Front.
Alors l'album il va cartonner, encore une fois, c'est un truc de fou, mais plus ils sortent des albums, plus ça cartonne, malgré le fait qu'ils refusent toutes les productions des majors, comme on vous expliquait dans, le, dans la première partie de, d'Acouphène. Madonna dégage, Universal dégage. Et donc là, en restant sur Epitaph et L4, les mecs arrivent quand même à se classer 35e. Au Billboard. Et ça devient ainsi le disque le mieux classé du groupe, quoi. D'accord. Enfin, ouais. Étonnamment, parce que comme on disait, ça change énormément par rapport à ce qu'ils font avant. Alors, ils vont lancer la promo à fond. À fond, et ils vont sortir deux singles de cet album. Donc, le premier single, qui sera Hooligans. Ouais, très reggae. Très reggae, un peu ska, très reggae. Et la chanson Blood Clot, donc qui est plus punk, hein, qui ressemble bien plus péchu, à, ouais. à ce qu'on a l'habitude d'entendre français. Du groupe. Ouais. Et il me semble que cette chanson là, Blood Clot, on a pu l'entendre dans un film. Ouais, encore une fois, ouais, dans un film, La main qui tue en français. Je crois que c'est Shaun of the Dead, c'est pas ça? Un truc dans ce style là. Hein. C'est pas Shaun of the Dead, mais c'est un truc. Mais dans Shaun of the Dead, on entend Sid Durant, il me semble. Ah, peut-être. C'est peut-être pas Blood Clot, mais bon. Bah, moi je te propose, Scal, qu'on écoute ces deux singles. Ouais, avec plaisir, juste une petite info en plus que t'avais pas noté, mais que moi je sais parce que j'avais le jeu. Et Blood Clot, pour dire un petit peu la portée, a été également sur un jeu de snowboard qui est sorti sur PlayStation en 98 Pro qui s'appelait snowboard... X Games Pro Border, c'est voilà, ça. Okay. Et on retrouvait d'ailleurs dans cette, si vous pouvez retrouver le jeu, les amateurs de vieux jeux, il est absolument ouf, la playlist est folle. Enfin, il y a quand même du Pennywise, du NoFX, du Millen Collin, du Foo Fighters et j'en passe. Millen Collin, donc la sœur des frères Collin de la semaine voilà, dernière. Exactement. OK, d'accord. Ça marche. Voilà, on écoute tout de suite donc le morceau Hooligan et Blood Clot qui sortent donc sur cet album qui s'appelle Life won't wait, la vie n'attend pas. C'est une phrase que vous pouvez retrouver sur le bras gauche du bassiste de Burning Lady. Exact. Et tout de suite dans ton 106,6 et sur la Kicking Radio. Et on se retrouve dans 5 minutes à peu près. A tout de suite. Cause I'm a boy,
that you're better off home. Well, I kick my way in and see the picture all up. Well, I turn sharply against the walls are fading. I climb from the depths of hell unscathing. Now my guns are blazing. Blood clot, I can see grey sinister. Now my guns are blazing. Picking back up and starting all over again. Hey! Oh! Hey! Go! Now my guns are blazing. Blood clot, I can see grey sinister. Now my guns are blazing. Picking back up. Et bah voilà, ça finit cash quand même certains morceaux de Life on Twilight. Hein. Ouais, donc on vient d'écouter deux morceaux de l'album Life on Twilight, donc la première Hooligans et la deuxième Blood Clot de donc cet album Life on Twilight qui est sorti en 98. Et donc pendant ces sessions jamaïcaines donc qui se sont déroulées en 97, Rancid a formé un groupe avec Buju Banton, le fameux reggae rastaman from Jamaïque, et ce groupe ils vont l'appeler The Silencers. Alors c'est un groupe éphémère hein, qui aura existé simplement le temps des sessions d'enregistrement, mais ils enregistreront quand même 7 morceaux qui diffuseront sur un 12 pouces qui s'appelle Life Won't Wait The Demos. Donc c'est un pressage pas vraiment officiel, mais qui est quand même référencé dans les productions Rancid. Donc voilà. Ouais, ensuite le groupe il enregistrera donc un morceau avec Buccaneer. Buccaneer. Buccaneer, un chanteur raga avec une grosse grosse voix, qui est aussi le boss du fameux label Opera House, qui a fait des petits groupes, hein, Elephant Man, Sizzla, le fameux Buju Banton et un petit Sean Paul. Sean Paul, ouais. Voilà. Et donc on retrouvera d'ailleurs un morceau dans la compile, enfin ce morceau dans la compile Give 'Em the Boot Number 2 qui sortira en 1999. Et le morceau c'est le gros morceau Breakout, Breakout. Donc on va écouter tout de suite Policeman, morceau des Silencers, donc le groupe de Buju Banton et des Rancid lors des sessions d'enregistrement Life Won't Wait. Et juste après ce sera Buccaneer, donc le mec de Kingston avec le groupe Rancid en backing band, et le morceau Breakout qu'on peut retrouver sur son album qui s'appelle Da Opera, l'opéra, sorti en 98 sur VP Records. We'll be right back.
The boss when him ain't cover. All I try match prettiness. What is this when I face the history from half of the Gaza? But tomorrow you there, no time for the drama. And tomorrow you will fly go Alabama. No for your money you spend a jewelarama. If riches could have planned, you would have been the biggest farmer. Break out, break out, get your body no cranny. One day get a game and I get your honey. You don't live dirty so just whiny, whiny. Jump up and grab your poop. Break out, you are here, me shiny. But the one I get in your crisp harmony. And now I lift your shape like her on Barney. Jump up and grab your boot. Grab it up. Girl from your living in style, yeah. You happy with your man, I must supply the kyle. Fill it up. Girl from your nalip wild, yeah. Work more than coal, you are the man child. Only if a man want date you. Just the flex alone make the man them a rate you. Anytime I tell you go your way, ah yeah. Everybody say, so that's why certain gal hate you. Mucky mentality, them want some metal. And I ain't like Ivalium and heavy metal. And I know them a try me somebody special. But me gal, you still there, I want it. So girl, break up, gal, your body no cranny. One day get the man, I get your honey. You don't live dirty, so just whiny, whiny. Jump up and grab your boot. Skin out, you are here, me shiny. But the fun I get in, your crisp harmony. You're the alleviation like Fred and Barney. Jump up and grab your boot. Girl, your body act like lava. Yet still a one man, I pick your cassava. From the day you take the lead, no girl I try get your speed and go pull up a seed like guava. She a competition, she a bring to your mama. And she swear like the boss when he make cover. All I try match prettiness, what is this when I face the history from half of the Gaza? But tomorrow you nah, no time for the drama. And tomorrow you a fly go Alabama, yeah. No for your money you spend a jewelarama. If riches could have blast, she would have been the biggest farmer. Go, girl, your body no cranny. One leg, leg, man, I get your honey. You don't live nothing, so just whiny, whiny. Jump up and grab your foot. Spread out, you are here, me shiny. But the fun I get in, I get Chris Harmony. You're not impatient like Fred and Barney. Jump up and grab your foot. Go, girl, your body no cranny. One leg, leg, man, I get your honey. You don't live dirty, so just whiny, whiny. Jump up and grab your boot. Breakout, c'est ça, breakout. C'était Boucanir, le Jamaïcain, qui était entouré du groupe Rancid pour ce morceau Raga Punk. Et juste avant, c'était un peu plus Reggae Ska avec The Silencers et le morceau Policeman que vous pourrez retrouver sur Life Won't Wait The Demos, sorti sur un joli vinyle orange en 2002. Yes! Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cet album? Il y a le morceau 1998 qui apparaît sur le sampler du magazine Rock Sound. Le magazine français. Ouais, qui est donc en juin 1998, je crois. Donc au tout début de la sortie de cet album, parce que je ne sais même pas si on a dit quand il est sorti. Il est sorti le 30 juin. Donc on était en plein dedans, pas de retard pour les Français. Même direct, peut-être une petite exclue. Une petite exclue peut-être, sortie certainement en début de mois. Ouais, et ensuite il sera aussi sur Punkorama 4.
Faut savoir que en 99, hein. Rancid aura un morceau sur chaque compilation Punkorama et chaque compilation Give 'Em the Boot. Donc Punkorama qui est la compilation Epitaph, la grande maman de L4 Records. On pourra aussi retrouver un inédit, cette fois-ci, que vous avez peut-être vu à la télé, puisque ce morceau apparaît dans un épisode de South Park, et sur la compilation qui découle de cette série animée, ils ont fait une petite compilation qui s'appelle Supportons le Chef, Chef Ed, et donc il y a beaucoup beaucoup de groupes de punk rock, mais pas que punk rock, qui apparaissent sur cette compile, et là il y a le morceau Brad Logan, qui est qui se cale. On en parlera après, mais on va le dire tout de suite hein, pour que ça vous mette un peu en tête. C'est le mec de F minus dont on parlera d'ici quelques minutes. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un épisode de South Park avec les mecs de Rancid dedans. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'ils montent sur scène et qu'ils reprennent ce morceau. C'est ça. Et on trouvera aussi un autre titre sur la BO d'un film. Le film The Show. Le film de Taylor Steele, je connais pas du tout, et par contre le morceau lui je le connais, et c'est le morceau Tattoo. Ouais, alors ce morceau qui a été repris aussi par un groupe de ska punk canadien qui s'appelle Sub. Alors un bon petit groupe qui aujourd'hui est mort, mais vous pouvez retrouver donc cette reprise de Tattoo sur l'album The Motions, et c'est vraiment un groupe à écouter, c'est super cool. D'accord. En cette année 98, ils font aussi d'autres petits trucs à droite à gauche. Il y a Tim qui va faire des backing vocals sur l'album d'Agnostic Front, l'album Something Gotta Give, qui sortira sur Epitaph. Et il y aura aussi Tim qui s'entourera de son comparse Lars pour aller chanter sur le morceau Fearful, morceau du groupe anglais The Specials, que vous pouvez retrouver sur le Scud Guilty Till Proved Innocent, coupable jusqu'à ce que tu sois prouvé innocent. Ouais, ensuite Lars il produira un petit EP de Redemption 87. Ainsi que deux morceaux pour leur futur LP, le nouveau disque de The Forgotten, Benny Bidi Bitchy, et le nouveau Pressure Point également. Donc pas mal d'activités quand même en 98 pour ce groupe. On n'écouterait pas un peu de musique? Ouais, bah si, bah du coup, comme tu le disais, on va s'écouter Brad donc, Logan. Brad Logan, donc tiré de cette fameuse compile South Park, sorti en 98 sur un petit label qui s'appelle Columbia Records. Columbia Records, voilà. Un peu honteux quand même. Voilà, et on fait pas toujours ce qu'on veut quand on signe sur des compiles. Ouais, surtout sur une compile South Park. Et ensuite, donc, cette chanson des Specials, que tu trouves un petit peu différente. Ah, différente totalement de ce que fait les Specials d'habitude, qui sont plutôt, on les connaît pour leur ska rocksteady. Vous verrez, là, la touche Rancid est bien présente, parce que c'est beaucoup plus énervé. On écoute tout de suite ces deux morceaux, donc Brad Logan, suivi de Fearful, sur les ondes de Radio Campus, et sur la Kicking Radio. California sun has sunk behind Anaheim hills. Here comes the night. I was high on junk, and the warm winds are sending. I feel alright. We live a criminal hood, make a bargain with the world. Streets are success when you're shot to the curb. I spent my day in blackness. At night I get my vision. Dodging cars, paranoid indecision, 'cause it's wild. Well, it's wild, 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 wild. California sun has sunk behind Anaheim hills. Here comes the night. I was high on drunk, and the warm winds are sending. I feel alright. I get disgruntled, outside opinions. I'm no longer respected in this new transition. I put it to effect, my long time standing. Disastrous living, disastrous living. 'Cause it's wild. Wild, 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 wild. California sun has sunk behind Anaheim hills. Here comes the night. I was high on junk, and the warm winds are sending. I feel alright. We'll be right back.
night. I was high on junk and the warm winter sun, and I feel alright. The California sun has sunk behind an army's head. Close the night. I was high on junk and the warm winter sun, and I feel alright. Yeah, right. Here is South Park's own Eric Cartman singing his very favorite song. Watch it, come here, come! Hey, rock and roll! You're like a Caribbean! Boom! Shotgun blast! Let me tell you about the shotguns and fields. Let me tell you about the Stegards and the bridge. Let me tell you about the Maasai Beretta. Let me tell you about the windows of my house. I'm not afraid of being afraid. I'm only fearful. I'm not afraid of being afraid. I'm only fearful. Let me tell you about the pumped in the arms. Let me tell you about the willing election. Let me tell you about the black church burning. And let me tell you about the bat by my front door. I'm not afraid of being afraid. I'm only fearful. I'm not afraid of being afraid. I'm only fearful. Just so strange and found your front door. Can't man, I can't die. Buy you from not where your black bitch is at. Supermarket. Shut down when I read the newspaper. I'm not career to the police paranoia. Me keep a watching on the rearview mirror. Me not tell you where me keep my revolver. Well, let me tell you about the security system. Let me tell you about the video surveillance. Let me tell you about my new Rottweiler. Welcome to the siege mentality. I'm not afraid of being afraid. I'm only fearful. Vas-y, enchaîne. J'enchaîne à fond, ouais. Donc là, on vient d'écouter Fearful de The Specials avec Messieurs Rancid à l'accompagnement. Et donc, on a écouté la première chanson, donc Brad Logan de Rancid eux-mêmes, qui est apparu sur la compilation South Park Chef Aid en 98. Ouais, et à part faire des compilations, vas-y, je te claque un inédit et je passe à la télé. Et puis après, je change totalement le style d'un groupe de rocksteady pour faire voir qu'ils peuvent faire aussi de la musique plus énervée. Et ben, ils prennent aussi le temps de défendre l'album qui est sorti cette année-là, en 98, donc Life Won't Wait. Ils partent en Europe, aux States, puis reviennent faire la tournée des festivals européens, puis repartent aux States avant d'aller en Australie et au Japon. Tranquille. Hein. Tranquille. Tranquille. Hein. Au calme. Je sais pas si avec Scapson ou Bang Bang Cocktail vous avez eu... À peu près le double. À peu près, ouais. Et petite note, hein, ils passeront par Paris. Le 15 juin 98, soit 15 jours avant la sortie de l'album. Chose qui doit être un peu frustrant pour les Parisiens. Ouais, c'est quand même con quand tu connais pas l'album, mais bon, en même temps c'est cool. À mon avis, ils ont dû jouer leur album. Bon, c'est toujours sympa de découvrir l'album en concert, mais c'est vrai qu'on adore chanter dessus. Voilà, c'est moi personnellement, j'aurais été frustré parce que j'aurais préféré connaître les morceaux avant de les découvrir, surtout pour un groupe comme celui-ci. Bon, ensuite, on passe tout simplement à l'année 99, en fait. Voilà, l'année d'après. Alors, ils font quelques dates seulement au Japon. Ouais, au Japon. Voilà, donc rien de spécial au niveau des lives. Juste qu'après avoir fait The Silencers avec Rancid, Buju Banton appelle le groupe pour une collab qui verra le jour sur la compilation d'L4 Records, Give Em The Boot numéro 2. Deux, cette fois-ci. Voilà, ils enregistreront aussi un morceau avec Mad Lion. Donc encore un Rastaman. Hein. Ouais, ils sont à fond dedans. Je pense qu'ils sont passés de l'héroïne au bédo. Je crois que c'est pas la période où on voit Tim Armstrong avec des dreads. Non, je déconne, ça. C'est une private joke. Et pourquoi tu pensais à Seb? Ouais.
donc sous le nom de Nocturnal. Ouais, voilà, donc ce projet qu'ils font avec Mad Lion, groupe éphémère encore, hein, Nocturnal, enregistré pendant les sessions jamaïcaines, à mon avis. On pourra aussi retrouver ce morceau sur, une fois de plus, cette compilation Give 'em the Boot, volume 2. Donc, on va écouter ces deux morceaux. Buju Banton avec le morceau No More Misty Days. Enfin, je chante pas très bien. C'était exactement la note. Mais c'est dans ce truc-là. Donc, ouais. On peut retrouver Matt Freeman à la basse, Brett Reed à la batterie, Lars Frederiksen à la guitare et au chant Buju Banton et Tim Armstrong. Donc, c'est crédité Buju Banton alors que c'est franchement du rancid avec Buju au chant. Et juste après, ce sera donc le morceau Tell Me What You're Feeling, dis-moi ce que tu ressens, du groupe Nocturnal, sorti sur L4 Records aussi, forcément, puisque c'est sur cette compile. Encore un groupe qui existait le temps d'une chanson. On retrouvera Rancid accompagné du chanteur dancehall rappeur Mad Lion, et dedans c'est une fois de plus Brett Reed, Lars Frederiksen, Matt Freeman et Tim Armstrong. À savoir que Mad Lion, de son vrai nom, il s'appelle Oswald Price, parce que on retrouve crédité sous ce nom-là dans d'autres formations. Oswald Pierce. Alors, il y a une autre collab qui verra le jour. Hein. Cette fois, ils arrêtent un peu le bédo, ils retournent vers l'héroïne. Avec, donc, cette fois-ci, avec le batteur des Ramones, Mark Ramone. Ils font c'est une reprise. Du speed qu'ils prennent, les Ramones. Ouais, s'ils prennent l'héro et du speed, un peu tout. Ouais. Et ils feront donc une reprise du fameux groupe, les Ramones, avec I'm Against It. And I'm Against It. Sous le nom de No Brain. I'm Against It. Alors, ils enregistreront aussi deux autres reprises, cette fois-ci donc avec deux groupes anglais, dont une que j'adore, qui s'appelle If the Kids Are United. Le fameux hymne, on va dire oi, ouais, que tout le monde connaît quand il a le crâne rasé et même quand il a une crête, parce que If the Kids Are United, they will never be divided. C'est ce qu'ils diront donc sur cette reprise de Sham 69. Et ils ont fait aussi une autre reprise d'un groupe anglais, Scal. Shit. D'un petit groupe aussi. Parce qu'on fume, hein. Ouais. Shit, tromperie. C'est ça, tromperie. Ouais, c'est hein. Shit, ouais, trompé, ouais. Du Clash. Donc voilà, on retrouvera aussi un autre morceau qui s'appelle Kill the Lights sur une compilation, donc un nouvel inédit sur cette compilation qui s'appelle All Scar and Upstarts, qui sortira non pas sur Columbia, non pas sur L4 Records ni Epitaph, mais sur Alive Records. Donc on écoute tout de suite quatre morceaux, Scal. Ouais, donc on commence par Shit, la Clash des covers de Rancid, ensuite If the Kids Are La United. Clash des covers, la cover des Clash. La cover des Clash. Du Clash. Exact, du Clash. If the Kids Are United, que moi je vous conseille de vraiment écouter pour tous ceux qui kiffent la basse, parce que franchement, il colle encore un truc absolument énorme. If the Kids. Ouais, il y a une super partie, ouais. Voilà, ensuite le No Brain, donc la cover des Ramones. Avec Marky Ramone à la batterie. Ouais, et ensuite Kill the Lights. Donc. Qu'on retrouvera un peu plus tard sur ceux qui ont acheté la compilation B-Sides and C-Sides, mais qui est originelle sur la compilation All Scars and Upstarts de Live Records, sorti en 99. Tout de suite, quatre bons morceaux qui nous permettront de nous prendre une bonne pause. Ouais, on se retrouve dans 8 minutes. C'est ça. Hey, 8 minutes 10. If I don't get none, I go. I don't know what the fuck to do about it. If you play the game, you get nothing out of it. You find out for yourself. You're trying to be good. You better drink, the reason to play fair. Drink, you can't get anywhere. Drink, and you can't win. When it's beyond your control, Friday nights are ruined and you wanna survive. You better learn how to lie. You better cheat, cheat. No reason to play fair. Cheat, cheat. You can't get anywhere. Cheat, cheat. And you can't win. Don't you
Cause the world's been not for you. It's for the person. Your fortune's no knowledge. There's no direction. You're fucking fool.
Well, I'm against it. Well, I'm against it. Well, I'm against it. Well, I'm against it. Sa chambre pour ce changement de plage musicale, mais en même temps ils étaient tellement pressés de prendre leur rail de speed que ils ont loupé la pause bédo de tout à l'heure avec donc Buju Banton et Nocturale. Buju Banton avec leur morceau No More Misty Day et Nocturale Tell Me What Your Feelings sur les ondes de Radio Campus. Petite pause bédo. Et oui, parce que c'est meilleur que le speed. Yeah, yeah. Put your mouth alongside Grand Shade. Yeah, taking a walk along Reggae Boulevard. Shine, beauty, the best you can find. Oh, people, so I'm good feeling. Come on, let's go, stop wasting time. We'll reggae music, take on that mystical farm. Tropical sunrise before the end, and everyone should have such experience. So when you go, just tell your friends. To the Almighty King, as the plane touched down, I feel the wind, nostalgic, homesick feeling. Sweet Jamaica, island in the sun, cultural basket, endless fun. Aki and selfish, we go no oasis in the desert, and in the black hole. Go out to all girls and come love your body, see? All girls there, what we
say, girl, tell me what you're feeling. Your love is revealing. Girl, how I want you to stay. Because your love is exciting. Woman is fighting. Gotta be my bride someday. Girl, tell me what you're feeling. Your love is revealing. Girl, how I want you to stay. Cause your love is exciting. Warm and inviting. Gotta be my bride someday. Cause the very first time that I seen your eyes, a trance came over me. You got me hypnotized. We got no time for games and no time for lies. The truth shall reveal what's between your thighs. So come let us kick it. I don't have my ticket. Girl, I wanna cash in my prize. Girl, you know that I'm with it, so give me your digit. In no time you'll ditch those guys. So tell me what you're feeling. My love is revealing. Girl, how I want you to stay. Because your loving is exciting. You're warm and inviting. Gotta be my bride someday. Girl, so tell me what you're feeling. My love is revealing. How much I want you to stay. Because your loving is exciting. You're warm and inviting. Gotta be my bride someday. Born every mistake in the tricks of a Jamaican. So imagine when it comes to love making. The birds will be singing, the phone will keep ringing. I leave your body exhausted and aching. So don't even start comparing on what your friends are wearing. Girls, don't treat me so cold. Cause if it's money that you're digging, I keep my money hidden. The only thing you'll find is gold. Record settings. Other girls are exhausting. My love you'll get lost in. Let us age like fine wine. Yeah, let's have a baby. 2, 3 or maybe. Live life like we're on cloud nine. Break it down. Yo. So just tell me what you're feeling. My love is revealing. Girl, how I want you to stay. Because your loving is exciting. Warm and inviting. Gotta be my bride someday. So just tell me what you're feeling. My love is revealing. Girl, how I want you to stay. Because your loving is exciting. Warm and exciting. Girl, gotta be my bride. My bride someday. Hey, my bride someday. Il est 20h, dépassé de 1 minute, vous êtes sur les ondes de Radio Campus. Et on vient d'écouter deux blocs, parce que ouais, hein, comme il disait Jérém... On avait du speed dans nos poches et puis on voulait pas le laisser trop longtemps. Oui, je suis tourné d'ailleurs. Cool. Et donc on a écouté six morceaux. Ouais. On a commencé avec deux morceaux de Rancid, une reprise des Clash avec le morceau Cheat qu'on peut retrouver sur la compilation Burning London sortie en 99 sur Epic, mais Epic Canada, hein, pas Epic États-Unis. Et juste après, donc toujours Rancid avec le morceau des Sham 69, la reprise de If the Kids are united, they will never be divided. Et ça, on la retrouve sur la compilation numéro 2 de Give Them the Boot, sortie sur L4 Records. Juste après, c'était le groupe Éphémère avec Marky Ramone, donc le batteur des Ramones, et la reprise donc de ce même groupe, les Ramones, et le morceau I'm Against It, qu'on peut retrouver sur la compilation Punk Rock Jukebox, sortie le 25 février 99 sur Addict et sur Blackout Records. Ouais, le groupe c'était No Brain. C'est ça, No Brain. Juste après, on revient avec Rancid, donc toujours ce groupe de Berkeley, et leur inédit Kill the Lights qu'on peut retrouver sur la compilation All Scars and Upstars. Donc ça, c'était pour le bloc speed, on va dire, et pour le bloc Rasta, Reggae Man, c'était juste après donc Buju Benton, le Jamaïcain from Kingston, avec le morceau No More Misty Days. Donc c'est Buju Benton accompagné de Rancid en backing band. Et juste après, le groupe
qui existait le temps d'une chanson, c'était Nocturnal. Donc là c'est California versus Kingston avec le morceau Tell Me What You're Feeling qu'on peut retrouver sur Give Em The Boot 2 Scal. Ouais. C'est ouais. Ça hein, tout est bon. Hein. Tout est bon, ouais, tout est pas mal, comme quoi la trace est bien passée a priori. ouais, donc on va enchaîner par l'année 99 et on va enchaîner avec deux morceaux qui sont pas des morceaux de Rancid. Parce que du coup Tim continue son taf de producteur et produit donc l'album FTTW qui veut tout simplement dire Faster Than The World du fameux groupe H2O qui veut dire O. Voilà. En 1999, donc on est toujours là-dessus, et il chante sur le morceau Faster Than The World. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui chante sur ce morceau, ouais. Il y a aussi Roger Miret, il me semble. Donc le fameux Diagnostic Front, toujours lui. Ensuite, Tim, il enchaîne, il fait donc toujours des backing vocals sur trois titres du premier album de Tiger Army, qui sortira lui aussi sur L4 Records. Ok. Lars, Matt et Tim font également des backings sur trois titres d'un album des New York Ska Sensation, les Stubborn All Stars, dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Et Tim produit également l'album de F-, l'album éponyme. Alors F-, donc, le groupe de Brad Logan, voilà, qu'on a pu entendre dans la chanson extraite de la compilation South Park. Voilà, c'est pas lui qu'on a entendu, mais la chanson s'appelle Brad Logan. Voilà, c'est sur lui. Et donc Tim, en plus de produire l'album, joue également de la guitare sur le morceau Tomorrow Burns, qui sera également sur L4 Records. Et puis cette même année, donc en 99, Tim, il fait pas que produire ses copains. Il va produire aussi Madame Armstrong, de son nom de jeune fille Brody Dale, qui a son groupe qui s'appelle The Distillers, un magnifique groupe qui émerge en 99 avec un EP sorti à seulement 500 exemplaires. Ouais, comme quoi il y croyait pas trop déjà. Il y croyait pas trop, à mon avis il croyait plus sur sa relation que sur le succès de sa femme. Ça a pas marché non plus. Mais le groupe Distillers, lui, a bien cartonné. On va pas spécialement s'étendre là-dessus puisque. En fait, à part être sorti sur L4 Records et être la femme de Tim Armstrong, Tim participera pas spécialement, quoique il fera de la gratte. On fera de la gratte sur un album, on en parlera ouais. Un peu plus tard. Ouais, donc on va s'écouter. On va écouter Scal. Je te l'ai déjà dit la semaine dernière. On va écouter, pardon, excusez-moi. Deux groupes qui ne sont pas des groupes de Rancid, donc H2O avec Tim Armstrong, Faster Than The World, sorti donc sur l'album FTTW en 99 sur Epitaph Records, et on va s'enchaîner par une. On va s'enchaîner. Par contre, je vais t'enchaîner un peu, tu vas voir. Par une chanson de F-. Et oui, ce soir du 31 décembre. Tim Armstrong à la guitare. Ouais. La chanson s'appelle Tomorrow Burns et présente sur l'album éponyme de F- en 99 sur le label L4 Records. Tout de suite sur les ondes de Radio Campus. La Kicking Radio. When
Yeah! Bon, vous l'avez vu, ça ressemblait pas trop à du Rancid. On vient d'écouter F-, le dernier morceau, donc c'était F-, Tomorrow Burns, de 1999, sorti sur L4 Records, album éponyme. Et juste avant, c'était donc H2O, avec featuring Tim Armstrong, Faster Than the World, sorti sur l'album FTTW en 99, sur le fameux Epitaph Records. À l'époque où il sortait encore des bons scuds. Et bah, cette année, 1999, ce sera encore une grosse année en tant que producteur pour le guitariste de Rancid, Lars Frederiksen, qui sortira donc cette année un album des Dropkick. Il en sortira un aussi pour Agnostic Front et il en profitera pour chanter sur un morceau qui s'appelle Riot Riot Upstarts. Alors ça, c'est une particularité quand même de Tim et Lars, c'est quand ils produisent des disques, ils participent. Voilà, ils aiment bien participer. Ça fait vendre. Ça fait vendre et puis ça fait aussi des crédits et ça veut dire que sur chaque album qui sort, ils touchent de la thune. Ils sont vraiment pas cons, ces loustiques. Et donc... j'ai perdu un pour Agnostic Front et un pour Marky Ramones. Ouais, et un aussi ouais, pour Marky Ramones ainsi que des EP pour les groupes qu'il avait déjà produits un peu plus tôt, donc fin des années 90 avec Pressure Point et encore un EP pour Agnostic Front. Lars ira aussi faire un featuring sur le morceau Vengeance des Dropkick Murphys. Bon, un morceau qui est un peu bizarre aussi pour Dropkick, quoi, qui a pas trop de biniou ou des trucs comme ça. Enfin, c'est pas du Dropkick, quoi. C'est plutôt du punk rock avec le groupe Dropkick. On écoutera de toute façon le morceau juste après. Ce morceau apparaîtra seulement quelques années plus tard sur une compilation phase B de Dropkick Murphys. Donc je pense que même les Dropkick en sont pas spécialement satisfaits. Disons que c'est peut-être pas leur style, quoi. Voilà, c'est peut-être pas un morceau qui devrait figurer sur un album, mais qui a tout à fait sa place sur une compilation de phase B et de rareté. Ensuite, Lars continuera à produire et produire l'album d'Agnostic Front. Et il chante... Ah non, ça je l'ai déjà dit. Oui. Et il fera des backing vocals sur l'album... Quel groupe ça s'appelle, Jérém? Comment ça s'appelle? AFI, c'est ça? AFI. AFI. Et l'album s'appelle The Art of Drawing. Tout de suite, on va écouter donc deux morceaux. Un morceau des Dropkick Murphys featuring Lars Frederiksen, morceau Vengeance, dans lequel vous pourrez l'entendre. Et vous pourrez aussi l'entendre sur le morceau Riot Riot Upstarts, cette fois-ci non pas Dropkick Murphys, mais Acoustic Front. Acoustic Front, Agnostic Front. Déformation locale, Acoustic ouais. Front est un groupe lillois. Agnostic Front. Et ça c'est sorti sur Epitaph, alors que le disque de Dropkick sur L4 tout de suite. On écoute ces deux morceaux, Vengeance versus Emmett. Ouais. Skin a little rough for burning hand. I want pictures and I want it now.
c'était Agnostic Front featuring Lars Frederiksen avec le morceau Riot Upstart, sorti sur leur album du même nom en 97 sur Epitaph. Et juste après, c'était un morceau enregistré en 99 mais qu'on pouvait retrouver simplement 6 ans après sur la compilation des B-Sides de Dropkick Murphys, et le morceau s'appelait Vengeance. Bah voilà, je pense qu'on en a fini pour cette année 99. Scal, est-ce que tu as des informations pour l'année qui suit? Oh ouais, il y a eu un petit truc qui est sorti en fait, un petit album de 22 titres, encore comme d'hab, qui est considéré comme l'un des meilleurs albums de Rancid pour les puristes du punk et ceux qui aiment aussi le hardcore. Donc retour aux sources, new-yorkaise, 80, tout ça. Ah ouais, carrément, ouais. Donc c'est leur cinquième album, ça y est, on y est. Donc ce cinquième album avec cette pochette noire et blanche avec la tête de mort dessus et juste écrit Rancid voilà. Partout. Donc album éponyme, donc soit souvent appelé soit Rancid 5 ou Black Album, ou alors moi comme je l'appelle depuis toujours Rancid 2000, voilà. Je pense que c'est comme ça que moi je dis le Black Album. Moi. Ouais, moi j'entends souvent parler de Rancid 2000. Voilà, donc c'est le premier album uniquement sur L4 Records. Ouais, parce qu'avant c'était sur Epitaph. Hein. Epitaph, ouais, exact. Donc toujours ces petits 22 titres, hein, ça enchaîne toujours bien. Alors l'album est assez court quand même pour 22 titres, 40 minutes. Voilà. Donc on voit qu'on a moins de 2 minutes en moyenne par compo, donc ils sont vraiment retournés aux sources par rapport à Life Won't Wait qui avait des compos qui traînaient aux alentours de 3 minutes, même 4 minutes pour certaines. Voilà, on retourne vraiment vers quelque chose de plus expéditif, plus hardcore, plus brut, plus punk, vraiment qui ressemble plus à la limite à ce qu'ils faisaient en 93 que ce qu'ils faisaient 3 ans plus tôt. Et toujours fidèle à Brett Gierewitz, qui est toujours là pour produire le disque, et ça, il sera enregistré à Hollywood au studio West Beach Recorders. Alors, l'album reçoit d'excellentes critiques, et d'ailleurs je veux juste rajouter un petit truc par rapport à ça, c'est que à l'époque quand je lisais les articles sur Rancid, ils disaient que en fait ils avaient enregistré cet album pour répondre en fait aux critiques qu'ils avaient reçu de la presse spécialisée. Par rapport à Life Won't Wait. Ouais, par rapport à Life Won't Wait, qui avait été jugé trop doux, trop commercial, et qui s'était un petit peu trop éloigné, on va dire, de l'origine punk du groupe par rapport à ce qu'il faisait avant. Voilà. Alors même si l'album avait été excellemment suivi par le public finalement, parce qu'il s'était retrouvé en haut du Billboard, finalement la presse spécialisée l'avait un petit peu décrié. Donc là, cette fois-ci, il reçoit des très bonnes critiques, mais le succès n'est pas au rendez-vous comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit pas en haut du Billboard, et on comprend pourquoi quand on écoute les compos. Hein. Il est jugé beaucoup moins accessible. Il est beaucoup moins accessible. Moi, je le trouve exceptionnel, mais par contre, il est jugé trop brut, trop hardcore. Et c'est pas du Rancid. C'est pas du Rancid. C'est ce qui est écrit un peu dans la plupart des fanzines et magazines spécialisés en Californie et pas que, parce que je crois qu'on peut lire aussi un peu partout dans le monde, même au Japon, pays qui est vraiment amoureux de Rancid. Voilà, c'est bizarre. On reconnaît pas notre groupe fétiche. Ouais, ouais. Mais bon, comme je disais avant, ils avaient un petit peu besoin de redorer cette image de punk qu'ils aiment garder quand même. Et on va dire que sur 22 compos, ils mettent tout le monde d'accord. Voilà, donc tu me disais qu'à l'époque Rancid c'était un petit peu considéré comme le nouveau The Clash, quoi. Voilà, c'est le groupe le groupe punk qui touchait un peu au reggae, au dub, au ska, et voilà, avec cet album, et ben cette réputation, ils peuvent plus l'avoir. Ils sont plutôt considérés comme des groupes hardcore 80, soit californiens ou new-yorkais, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très très brut. Mais voilà, le grand public et les spécialistes, genre les mecs du milieu, l'apprécient quand même. Et même, on peut retrouver certains morceaux dans des films, comme le film Ken Park, avec le morceau Antennas. Le morceau Rattlesnake sera aussi sur le sampler du magazine Rock Sound. Donc nous, c'est par ce morceau-là qu'on a découvert l'album, le Black Album, comme je l'appelle. Alors c'était la version espagnole du magazine. Voilà, ouais, c'est les Espagnols plutôt qui ont découvert. Mais il était en vacances en Espagne. Voilà, c'est ça. On peut retrouver aussi le morceau non, Sidekick, je faisais merde. Sur le cinquième volume de Punkorama, on disait tout à l'heure, chaque volume du Punkorama a son morceau de Rancid. Cette fois-ci, c'est plus des inédits, c'est Poison. Le morceau It's Quite Alright sera aussi dans un Punkorama, mais pas le 5, le 6e. On retrouvera aussi le morceau Six Sick World sur la compilation du Vans Rap Tour. Donc voilà, tu vois, on disait tout à l'heure que c'est un album qui reçoit pas mal de critiques, mais qui laisse sa trace quand même un peu partout, hein, dans le monde du cinéma, dans le monde des compilations, et aussi dans l'esprit de tous les fans de hardcore.
Ouais, bah ce que je te propose, c'est qu'on en écoute deux. Deux morceaux, ouais. Voilà, alors restez bien là parce que ça va très très vite. C'est 2 minutes 5 pour deux compos. Donc on écoute la première, donc la fameuse Poison, qui était donc aussi sur un Punkorama. C'est comme ça que je l'ai découvert, moi. Et d'ailleurs, vous pouvez écouter, il y a une petite différence de son à un moment dans la compo entre le Poison sur l'album et le Poison du Punkorama. C'est assez inaudible, mais c'est aux alentours de la fin. En fait, il y a un espèce de Larsen qui est coupé sur la version du Punkorama. Vous pourrez écouter, c'est assez rigolo. Et donc ensuite on enchaîne par Loki, qui est une compo très courte qu'on jouait d'ailleurs avec c'est le chanteur de Street Poison, non? Loki. C'est vrai. Le guitariste. Ouais, le guitariste, ouais. Guitariste chanteur, ouais. Ouais, guitariste. Ouais. Je pense qu'il a sorti son blast de ce morceau, hein. Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, on écoute ces deux morceaux donc qui sont parus sur l'album donc soit le Black Album pour Gaël, soit le Rancid 2000 pour moi. Et pour tous les estivaux, parce que c'est sorti le 1er août 2000, sur... c'était la BO de l'été, on va dire, enfin l'album de l'été. Le titre de l'été. Le titre de l'été. Le tube de l'été. C'est sorti sur L4 Records et c'est tout de suite sur la Kicking Radio et sur Radio Campus 106. Lille. 106. Some people are poison, and one of us cannot hope you. And I'm still in the right to anoint them. But I'm poison, yeah, I'm poison. Admissions of my abilities. I'm living in my own dark cold on a room full of fight that I get by the door. Some people are poison, when the mess can not cope you. And I'm still in their eyes to annoy them. All the poison, yeah, the poison. The violent aspects of the dead of men. Let me respond to that if I can. Illuminated manuscripts with the pain. Accusations haven't made from the twist of pain. Some people are poison, when the mess can not cope you. And I'm still in their eyes to annoy them. What a poison, yeah, the poison. Yeah, you're fucking poison. Sit up to the sleep, sits at the mirror. What the prince has ever think to him? Is it good today? Or is he evil? In a body Christ, he wants a madness. It can go either way. You never know. It gets you through the sea. And that's how he likes it. With all the guns going up, who could say no to the guy? Watch out, who fucking next? The monkeys play tricks again. 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 Yeah. Putain, ça va très 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 vite sur Rancid 2000. Qu'est-ce que c'est bon. Donc on a écouté Poison et Loki, donc vraiment du speedpunk, du hardcore, tout ce qu'on veut, mais un truc qui défouraille. Par contre, hein, cette année, ils ont sorti un autre morceau qui lui par contre défouraille pas du tout. Il est plutôt rien à voir du tout avec le hardcore. C'est un morceau qu'on a pu entendre sur l'album Life Won't Wait, qui cette fois-ci sort sur un EP de Dr. Israel. Donc c'est Coppers. Déjà rien que le nom, ça te fait dire que ça va pas être la même. Ça chose. Va pas être la même chose. Donc à la base, ouais, c'est Rancid qui reprend ce morceau Coppers featuring Dr. Israel, et Dr. Israel a dit bah on va le refaire pour le sortir sur mon Scud. Donc il réenregistre le morceau. Lars jouera et chantera sur cette version, et Tim par contre fera que chanter. Bah voilà, bah on écoute, hein. Tout à l'heure on a écouté deux morceaux, ça faisait 2 minutes 4, là on en écoute une, ça fait 4 minutes 45. Voilà, donc c'est pas trop du speedpunk, quoi. Tout de suite, Dr. Israel, donc le New-Yorkais, mais qui est d'originaire de Kingston, featuring Lars Fredriksen et Tim Armstrong. C'est du Jamaican Weed Fever. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Bah, regarde déjà, c'est sorti sur Creative Vibes.
On va aller créativer les vibes aussi, nous. Tout ouais. de suite, Dr. Israël. L.A. Kingston, New York and London. Move no matter fight, come together as one. Cause gun pressure soon off it over and done. Rebuke the soul controlled by Satan. Fight back from that with low vibration. Full of fascism, racism and schism. We are gonna make them fear run. London, you gon' find them. New York, L.A. back to Kingston. All I see is you fighting. All I see is you fighting. London, you gonna find them. New York, LA, back to Kingston. All I see is you fighting. All I see is you fighting. Easier, you know it ain't easier. Got to make a decision. Got to learn to say no. To the ones that try, you comply, my ally. We flew into the rock through the midnight skies. Our third-world country seemed to force our eyes. Lyndon Bell, hard to sell. George Orwell, only bastards fell. Can you tell we go straight to hell? Saw shells impaled by Satan's tail. Come and say, London, you're gonna find them. London tone. New York, LA, back to Kingston. Kingston, JA. All I see is you fighting. You the mugger fighting. All I see is you fighting. You the mugger fighting. London, you're gonna find them. Palestine. New York, LA, back to Kingston. All I see is you fighting. You the mugger fighting. All I see is you fighting. Come and say, put down a ratchet knife, rude boy, set down your gun. LA, Kingston, New York, and London. No matter if I come together as one. Cause gun pressure soon I'll be over and done. Rebuke the soul controlled by Satan. Fight back from that with low vibration. Full of fascism, racism and schism. We are gonna make them fear run. Easier, you know it ain't easier. Got to make a decision. Got to learn to say no. Well, a Klansman and Horde, a wise man starred. Justice came back in the name of the good. Papers read in every neighborhood. Go make out like Robin Hood. And those who fall, and those who try, let the law all hypnotize. You ain't gonna see the power demise. Not in your lifetime, shed the victimize. London, you're gonna find them. London tone. New York, LA, back to Kingston. Brooklyn. All I see is you fighting. All I see is you fighting. London, you're gonna find them. New York, LA, back to Kingston. All I see is you fighting. All I see is you fighting. Come and say, put down a ratchet knife, rude boy, set down your gun. LA, Kingston, New York, and London. Move no matter if I come together as one. Cause gun pressure soon off it over and done. Rebuke the soul controlled by Satan. Fight back from that with low vibration. Full of fascism, racism, and schism. We are gonna make them fear run. Easy, you know it ain't easy. Decision. Got to learn to say no. No, no. I burn from inside all the walls. A dead man can't hear all the calls. Who lives like a sheep in the city concrete? Never runs deep and dies from the heat. London, I'm gonna find out. New York, LA, back to Kingston. All I see is you fighting. All I see is you fighting. London, I'm gonna find out. Yeah, ouais.
ouais, ça finit cash aussi, tu vois, même le reggae. Donc, bah, c'était cool, on vient de s'écouter Docteur Israël. On vient d'écouter, bordel. Oh, tu fais chier. On vient d'écouter Docteur Israël avec ce monsieur Lars Fredriksson et ce monsieur Tim Armstrong. Cette belle reprise, quand même, de Coppers. La Brooklyn version. Ouais. Qui est quand même super cool, je trouve. Plus roots, on va dire. Un petit peu moins bien enregistré que l'original, mais vraiment très sympa. Et ça a dû vous parler, pour ceux qui connaissent l'album Life Won't Wait. Ah hein. Ouais, complètement. C'est quand même quasiment la même, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc on clôture cette année 2000 en disant que ces fameux Rancid ont été en tournée, donc sur les mois de novembre et décembre, uniquement aux États-Unis et au Canada, avec le groupe... Jérémy, le groupe préféré de Jérémy. AFI. AFI. Et avec Lady Steelers. Le groupe de Madame Armstrong. Voilà, de Madame Dale Armstrong. Donc, bah, peut-être que ça vient de là, qu'ils vont se séparer, je sais pas. Parce que tourner avec sa gonzesse, c'est un petit peu compliqué. Ouais, je pense qu'il y aura quand même encore 3 ans de bonheur avant de se séparer de la belle. Bon, voilà, toujours tout ça pour dire qu'ils vont faire une vingtaine de dates, c'est pas énorme. Non. Plus. Donc, mais bon. Bah, ouais. Pour un album un peu décrié, voilà, 20. On va compter sur la promo. Des compilations et des films pour et du bouche à oreille pour que cet album se vende, même si je pense que ce sera l'album de Rancid qui se vendra le moins. Ouais, et en même temps on commence à arriver dans une période où les albums se vendent de moins en moins, de moins en moins, et où même si Rancid c'est pas encore le Rancid qui est devenu maintenant, c'est quand même un groupe qui a quand même déjà fortement influencé la scène et qui a déjà beaucoup de petits groupes qui se forment. Parce que voilà, il y a la vague Rancid et pas oublier aussi hein, les copains de Rancid, les NoFX, qui commencent à bien faire parler d'eux et la scène californienne est en train de bien se lever. Ah oui, bah même depuis les années 94, hein, donc ça fait quand même déjà 6-7 ans que ça commence à bien se lever. Voilà, donc on en a fini pour l'année 2000, vient l'année 2001, qui n'est pas c'est une grosse année pour Rancid, pas du tout même, on va dire. Pas trop, parce que bah, on va dire qu'ils font une année sabbatique, un petit break, à l'exception de leur participation au Warp Tour de juin à août, donc quand même imposant comme tournée, hein. Mmh. Savoir que le Warp Tour, c'est, je sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est un festival itinérant qui voyage dans tous les États-Unis. Ouais. C'est, beaucoup de personnes sont pas très en faveur de ce festival-là, parce que c'est un festival qui réunit 10, 15, 20 groupes par soir. Enfin par journée on va dire. Oui, ça commence tôt, hein, ça commence à 10h ou à 14h. Et que voilà, ça tue un peu les petites salles, parce que bah, les 20 groupes qui passent le même jour, par exemple on va dire à Détroit, ils auraient pu passer tout le long de l'année à Détroit et faire vivre cette scène. Mais enfin bon, on n'est pas là pour discuter sur le Warped Tour. Juste pour dire, le feront. Le Van Swart Tour, c'est un, voilà, le concept, c'est du skate. Du punk et la fiesta. Et la fiesta, et ouais. C'est quand même une grosse machine à thunes. Ouais, parce que c'est un festival itinérant aux États-Unis, mais pas que, parce qu'ils font Canada. Aussi le Canada et aussi une édition japonaise. Ah, pas donc souvent c'est 4-5 dates. Là en 2001, ils n'étaient peut-être pas encore aussi connus au Japon, mais ils en feront que 2. Et ensuite Rancid quittera le Warped Tour pour aller faire le festival Reading. Tiens, donc, pour la petite info, en Angleterre. J'ai participé à un festival qui s'appelle Fuck Reading. Ouais. Et donc, c'est un peu un festival qui a lieu en même temps que le festival Reading. C'est un petit festival qui a lieu un contre-fest. Voilà, c'est un contre-fest pour dire fuck au Reading Festival. Donc voilà, 2001, année sombre pour Rancid, mais pas pour les groupes qui vont en découler, puisque bah, même si Rancid est en pause, les membres, eux, restent actifs. On va commencer par Lars Fredriksson qui va enfin pouvoir s'exprimer, on va dire... en solo, avec ce premier album, enfin quand je dis en solo, voilà, ce sera un album qui parlera de sa jeunesse, qui écrit sur sa jeunesse, mais il sera quand même entouré des Rancid. Ouais, enfin, en solo, t'as pas forcément tort, parce qu'il utilise bien son nom pour vendre le groupe, donc ce groupe qui s'appellera Lars Fredriksson and the Bastards.
Donc voilà, on voit que le mec se met en avant et utilise son nom qui maintenant est une véritable marque, hein, on va pas se mentir. Lars Fredriksson, tout le monde dans le milieu punk connaît. Donc c'est quand même un moyen pour lui de lancer aussi ce groupe-là plus facilement, on va dire. Et il me semble que ce groupe, il a vu le jour parce que Tim disait, mais Lars, t'as quand même des putains, voilà, tu sais super bien écrire. Par contre, il y a un sujet sur lequel t'écris jamais, c'est sur ta jeunesse quand t'es arrivé aux États-Unis, donc à Campbell, c'est au sud de San Francisco et à l'est de la Silicon Valley, donc un peu excentré mais pas trop loin quand même. Voilà, t'as grandi là-bas, pourquoi t'écrirais pas toutes les saloperies qui t'est arrivé? Et donc Lars, il a dit bah carrément, il a commencé à écrire et il s'est entouré de bon monde. Ouais, de bon monde, parce qu'il s'entoure quand même de Scott Abels, qui est juste le batteur de Hepcat, donc juste, qui est déjà présent sur L4 Records. Il s'entoure de ce Craig Legg, donc dont on a entendu parler tout à l'heure via The Forgotten, parce qu'il était le guitariste, et qui sera après qu'on retrouvera par la suite. Ouais, dans un petit groupe aussi qui s'appelle Transplants, dont vous avez forcément entendu parler, et de Big J. Alors je connaissais pas, mais c'est un roadie. Voilà, c'est un roadie. Et il faut savoir aussi que la particularité de ce groupe, c'est que pas seulement Big J, mais aussi Craig Legg et Scott Abels étaient roadies du groupe Rancid. Donc Scott Abels, comme il est batteur, il s'occupait de la batterie de Brett Reed, Craig Legg s'occupait de Matt Freeman et Big J s'occupait des guitares. Voilà, donc sur cet album éponyme, donc encore un album familial, donc on retrouve les roadies, mais aussi Tim Armstrong qui co-écrit cet album, à l'exception de deux chansons qui sont des reprises. Une reprise de Billy Bragg. Billy Bragg, c'est un Anglais qui est dans la scène plutôt folk punk, anti-folk, qui a notamment travaillé aussi avant Rancid avec Les and Jack et REM. Et ils reprennent une autre chanson, cette fois-ci de Holland Dozier Holland. Donc c'est un groupe de la Motown. Et le morceau s'appellera Living Here. Par contre, il y a un petit truc qui me déplaît dans cet album. C'est une chanson que j'aime beaucoup, mais quand j'ai su de quoi elle était tirée, ça m'a fait un peu mal au cul, parce que c'est une reprise, enfin une version adaptée, à peine déguisée, d'un morceau qui s'appelle Tomorrow Belongs to Me, qui est un morceau du groupe Screwdriver, donc le groupe anglais formé par Ian Stewart, qui a créé par la suite le Blood and Honor. Donc c'est les gros nazis anglais. Screwdriver, enfin on va dire pour ceux qui écoutent Screwdriver, ils écoutent simplement le premier EP qui était pas politisé, et l'album qui suit, Ian Stewart met clairement les choses au clair. C'est le cas de le dire. Ouais. Je suis nazi et je le montre dans mes paroles. Et là, ce morceau-là, on le retrouve dans un album de 96. Donc c'est pas les débuts, c'est pas le Screwdriver de 77. En gros, c'est la même version. C'est quoi? C'est la même. C'est que c'est les mêmes accords. Ça sonne pareil. C'est quoi? Ils disent que c'est une reprise. C'est Tomorrow Belongs to Me. Et dans la chanson de Lars Fredriksson, c'est This Town Belongs to Me. C'est les mêmes accords, c'est la même mélodie, les mêmes vocalises, il y a juste les paroles qui changent. Et c'est flagrant. Dans cette chanson-là, ils étaient déjà politisés, les mecs de Screwdriver? Très, très, puisque faut savoir qu'ils ont juste leur premier EP qui est non politisé, et juste après. C'est du. Voilà, c'est du et comme Screwdriver, c'est fin 70. Ah oui, là, on est. C'est une chanson, donc je parle de la chanson de Screwdriver qu'on peut retrouver, je pense, dans les années 94-95, lors de la reformation du groupe Screwdriver. Donc vraiment, reformation égale, on savait déjà qu'on était nazis. Ouais. Donc voilà, c'est un peu bizarre de retrouver cette chanson-là. Mais bon, comme on dit, la scène skinhead, c'est quand même une époque où Lars traînait beaucoup avec les skins, est quand même assez controversée. Mais voilà, ça reste. Screwdriver reste quand même. Laisse quand même sa trace dans la musique anglaise et laissera sa trace à travers cette chanson qui s'appelle maintenant Campbell California et non Tomorrow Belongs to Me. Mais voilà, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment la scission entre les deux, elle était un peu bizarre, non? Entre les fa et les antifa, il y a un moment où les mecs, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup qui passent d'un côté à l'autre. C'est un peu... Mais là, c'était déjà bien politisé. Je comprends pas le choix. Ouais. Je le cache pas, j'ai réécouté le morceau de Screwdriver pour être sûr que ça c'était quasiment pareil et c'est forcément ça c'est flagrant. C'est dans les crédits de l'album, ils en parlent pas, copier-coller? Non.
Je ne pense pas. Non. Donc voilà pour cette petite anecdote dont on se serait bien passé. Ouais, donc Tim, sur l'album, donc, était à la guitare, au backing, enfin à la guitare, du moins pour l'enregistrement. Hein. Pour l'enregistrement. Il faisait des backings, il écrivait aussi avec Lars les compos, et il a produit également le premier Scud. Donc ils ont coécrit une douzaine de titres et travaillé sur quelques reprises, donc, notamment sur Living Here. Living Here, ouais, ouais. Donc je disais, c'était Holland, Dozier Holland, mais qui a été aussi repris par Motorhead. Donc peut-être que ce morceau, ça vous dira quelque chose. D'accord. Donc le duo s'entoure de musiciens tels que Big J ou Scott Abels, donc comme on l'avait dit, et sort un premier album en 2001, donc toujours sur L4 Records. Toujours au même endroit, chez L4 Records. On peut noter aussi que la pochette de ce disque, donc c'est un disque noir avec Lars Frederiksen, on va dire, je sais pas comment dire ça, où on le voit en silhouette noire. C'est avec contour blanc. Avec contour blanc, ouais. C'est où on le voit Lars vu d'en haut. C'est Brody Dale qui a fait cette photo. Brody Dale, hein, la fameuse Madame Distillers et Madame Armstrong. Madame Armstrong. Puis ben, les chansons, hein, ça parle de picole, de bagarre, de drogue, de sexe, de prostitution et de gang. C'est donc un peu des chansons de footeux, en fait. On comprend pourquoi est-ce qu'il y a peut-être adapté Screwdriver. C'est pas un peu des chansons un peu pour les mecs qui vont au foot un peu en Angleterre, etc. C'est pas un peu l'esprit, quand même. Ouais, si, bah, surtout sur ce premier album. Sur le deuxième album, ce sera un peu plus redneck, un peu plus motard. Ouais, mais c'est vrai que cet album-là est bien, bien, bien baston, quoi. On retrouvera aussi des morceaux comme le morceau White and Roses sur Wine, le sample. Wine and Roses. T'étais vachement dans le faf, là. Sur le sampler du magazine français Rage, le premier volume. Donc voilà, ils font Rage is Pay, un Lars Frederiksen sur le sampler, leur première édition, c'est cool. Mais tout de suite, on va écouter Skunks, ouais, morceau qu'on peut retrouver sur le front de Lars Frederiksen. Il est trollé, son tatouage. C'est vrai, Skunks, c'est une abréviation de skin et de punks. Donc voilà, pour dire, nous, on est un peu entre les deux. On aime bien la musique de skin et la musique de punk. On aime bien la culture skin et la culture ouais, punk. Ouais, enfin, la vraie culture skin, quoi, la culture antifa. Hein, voilà. Pour bien préciser. Pour là, on sait pas. Hein, parce que a priori, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, bizarre parce que j'ai des questions. Surtout que, notons que Lars Frederiksen est danois. Danois. Donc, anglais, la viking, voilà. Bah, ça peut être. Il a le drapeau danois sur sa guitare. Voilà, on lance une polémique. Est-ce que Lars Frederiksen est appelle-nous Lars ou pas? Appelle-nous. Appelle-nous au 0329-112-400 si tu connais son penchant politique. Et on vous. Bon, on sait pas ce qu'on fera, mais on essaiera de te croire. Donc, ouais, le morceau Skunks, qui est aussi donc le tatouage qu'il a sur le front. D'ailleurs, si vous voulez, il y a une vidéo. Bon, malheureusement, la vidéo elle est en anglais. Mais où Lars parle d'une partie de ses tatouages sur YouTube. Et l'épisode s'appelle Behind the Ink, donc derrière l'encre, with Lars Frederiksen. Et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, il raconte tous ces groupes. Ben, j'aime bien ce groupe-là, donc je l'ai fait là. J'aime bien ce groupe-là, je l'ai fait là. Mais là, on va écouter Skunks, extrait donc de ce premier album de Lars Frederiksen and the Bastards, sorti en 2001 sur L4 Records, tout de suite. Ben voilà, du bon son. It ain't it too, I was a young one in a bunch. Initiation started and it ended in a bunch. As I got older, I got scars to prove my worth. More times than others, I fell face first in the dirt. Whoa, can't you see? You never take the gang out of me. Whoa, can't you see? You never take the gang out of me. Running up at the walls, I was nosed up to the front. I preyed on the weekend soldiers who couldn't take the hunt.
With another victory, I passed right under the sun. My war was over, but a new one has begun. Whoa, whoa, can't you see? Well, you'll never take the gang from me. Oui, 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 on peut dire ça, c'était Skunks, le morceau de Lars Fredriksen and the Bastard qu'on peut retrouver sur ce premier album sorti en 2001. Donc voilà, on disait que Rancid était en pause à l'exception de la tournée qu'ils avaient fait avec le Warped Tour, que Lars Fredriksen a sorti ce premier album, mais Matt Freeman et Lars Fredriksen feront aussi un petit featuring sur l'album de The Power of Moonlight de Tiger Army, et sur la chanson qui s'appelle The Power of Moonlight aussi. Donc on y retrouvera Lars qui fera de la guitare et des backing vocals, pendant que Matt fera juste le chant. Et cette même année, Matt Freeman a créé l'année d'avant, donc en 2000, Devil's Brigade à Berkeley. Et il peut donc se pencher en cette année 2001 sur l'enregistrement et la composition du prochain EP qui sortira. Il s'entoure de Tim Armstrong et de Brett Reed. Donc hein, on garde Rancid, on garde les copains. Matt va délaisser sa basse pour s'essayer à la contrebasse. Ouais, c'est complètement différent, hein. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'il faisait avant. Et d'ailleurs, on dit qu'il s'entoure de Tim Armstrong et de Brett Reed, mais la formation live n'a absolument rien à voir. Elle n'est pas composée de non, Tim non, Armstrong là, c'est, et Brett c'est Reed. C'est pour la composition, et l'enregistrement du EP. C'est ça. Et donc, Scal, est-ce que tu sais d'où vient le nom Devil's Brigade? Ouais, ça vient d'un morceau des Dropkicks. Les Dropkicks. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc, qui veut littéralement dire les Brigades du Diable. Donc Devil's Brigade, c'était une ancienne unité des forces spéciales américano-canadiennes au sein de l'armée de terre des États-Unis. Donc on voit qu'ils sont quand même vachement axés armés quand même, entre Operation Ivy, Special Forces aussi. Special Forces, Operation Ivy, qui était un truc de l'armée aussi. Là on a les Devil's Brigade, enfin voilà, c'est assez influencé armée tout ça. Bon, je pense que c'est plus pour contredire que pour aller dans le sens, mais voilà. J'espère. Ouais, j'espère aussi. Et donc on pourra retrouver une première chanson qui a été enregistré en 2001, mais qu'on retrouvera simplement en 2002 sur la compile Give 'Em the Boot. C'est le morceau Vampire Girl. Vampire Girl qui sera accompagné d'autres morceaux de la famille rancidienne sur cette compile, avec Rancid qui reprennent Golden Gate Fields, qu'on peut retrouver sur l'album Rancid 2000. Un morceau de Lars Fredriksen, Skunks, qu'on a écouté juste avant. Buccaneer Breakout, qu'on a écouté juste avant. Et Buju Mountain, Misty Days, qu'on a écouté juste avant. Donc voilà, Give 'Em the Boot, qui est quand même une sacrée promotion pour les groupes de Rancid. Bah, c'est fait que pour ça, en fait. Hein, c'est fait pour ça, ouais. Donc, on va écouter deux morceaux. Un morceau donc de Tiger Army avec Matt au chant, Lars à la guitare et aux backing vocals, sur le morceau The Power of Moonlight, sorti sur l'album numéro 2 du groupe qui s'appelle Power of Moonlight en 2001 sur L4 Records. Et juste après, le nouveau groupe de Rancid, on va dire, puisque c'est chez Même Bien qui l'ont enregistré, Devil's Brigade, avec Tim à la guitare, Brett aux drums et Matt à la contrebasse et au chant. C'est un groupe de Berkeley. Le morceau s'appelle Vampire Girl et on peut le retrouver donc sur la compilation Give 'Em the Boot 3. Est-ce qu'on dit au revoir maintenant, Jérémy, ou on dit au revoir après? On se retrouve juste après pour se dire au revoir. Et puis voilà, j'espère que cet épisode numéro 2 vous plaît toujours autant que le premier. That I never broke. Far away tonight.
the filth and all the dirt, the madness of the spinning world. Trapped down here, dropped down and down and down, just like the moon in twilight. I will rise again and from the power of moonlight. Shines down on me, seeps into my soul. The power of moonlight, it calls to me ages long ago. The power of moonlight, a haunting whisper that I'll never grow old. Far away the night, the tide is calling to me. Voilà, c'est ça Devil's Brigade. Donc ouais, c'est du rancide mais un peu plus rock'n'roll avec la contrebasse, hein. Carrément plus rock'n'roll. Bah ouais, on touche à la fin de ce dernier, non, de ce deuxième épisode. Mais non, pas le dernier. Parce qu'à mon avis, ce sera pas le dernier. On sait pas vraiment à combien d'épisodes on va arriver, Scal. Oh, je pense en toute honnêteté, en ce que je vois, ce que t'as bossé, quand je vois le nombre de pages à 4 qui reste à passer, je pense qu'à mon avis, ça se fera encore minimum sur deux épisodes de 2 heures, et j'imagine même sur 3 voire 4. Voilà, ouais, parce que ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire, et si on veut pas survoler les périodes comme des gros cochons et qu'on veut quand même vous donner du contenu, ben il faut passer du temps, quoi. Là, on aura juste survolé l'année 97
à les années 97 à 2002. Hein, 2001 bouclé. Voilà, donc on reviendra pour le troisième épisode avec l'année 2002. Yes, alors juste avant, on reviendra sur une... Une petite controverse. Ouais, exact. Sur, donc, qui a touché L4 Records. Ouais, L4 Records avec l'album de Leftover Crack qui est sorti donc le 11 septembre 2001 et qui s'appelait Mediocre Generica. Et là, on a pas mal de choses à vous raconter, ouais. C'est assez marrant. Y a on vous met juste l'eau à la bouche, mais ça va quand même assez loin. Ouais, ça va super loin. Ça va assez loin. Mmh. Et puis, on enchaînera par la suite avec le split Rancid NoFX qu'on a tous attendu. Bon, on est peut-être un peu déçus. Mais voilà, c'était comme ça. Alors en fait, on est un petit peu déçu sur toute la partie Rancid, hein. Après la partie NoFX est quand même super cool, je trouve. Voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que Rancid est un peu bâclé. D'ailleurs, on peut entendre en fond sonore une première, un premier morceau des NoFX là en ce moment. Mais on vous repassera ça la fois prochaine. Et voilà, donc on a terminé ce deuxième épisode de la story Rancid. On vous invite à écouter le premier épisode qui retrace la période 87-97. Dispo sur le Mixcloud. Dispo sur le Mixcloud aussi demain, cet épisode numéro 2. Ouais. Mais là. Tu vas arriver à le mettre en ligne demain ? Bah oui, j'arriverai à le mettre en ligne. T'auras pas trop bu là ce soir ? Ou alors après-demain. Ça changera pas. Début d'année 2016. Bah ouais, on en profite pour vous souhaiter un bon réveillon. Putain, une bonne année. Et big up à tous ceux qui ont écouté en direct. Ouais, parce que c'est une bonne idée de mettre la story en apéro. Ou alors ça veut dire qu'ils ont pas de potes. Si vous avez pas de potes, vous pourrez réécouter cette émission à partir de minuit sur le site de Radio Campus ou alors demain ou après-demain sur le Mixcloud et dans les jours à venir sur la Kicking Radio. Voilà, merci d'avoir passé ces 2 ans avec nous. On revient en direct, Jérémy, le 7 janvier pour la 100e émission du Acouphène Radio Show et des concerts qui aura lieu surprise. À la Maison des étudiants à Lille. Vous êtes invités à venir, c'est gratuit. Il y aura concerts, émissions en direct. Et ça ne sert à rien de nous envoyer des messages pour dire qui joue. Faites-nous confiance. Soyez là. Le 7 janvier à la MDE, c'est juste en face de la radio. On vous fait des bécos, on vous dit au revoir, on vous dit bonne année. Merci Jérémy pour cette année 2015 passée en ta présence. Merci Scal pour ces 2 dernières émissions passées en ta présence. Merci Gaël pour Gaël. Ce speaker de ouf depuis 2 ans. Merci à vous. Et cette voix là, Jean-Jacques Bourdin. et donc, on vous donne rendez-vous en 2016. On vous souhaite une bonne année et. On va pas dire les conneries qu'on dit après, hein, mais voilà. À l'année prochaine. Merci mes gens. Ciao, ciao.